Salvation is not cheap. Le salut n'est pas à bon marché. There is a price to be paid. Il y a un prix à payer. After all, it cost the life of the Son of God. Après tout, ça a coûté la vie du Fils de Dieu. When we consider the pearl of great price, et quand nous considérons la perle de grand prix, or the treasure in the field, ou le trésor caché dans le champ, then those who wanted to obtain it had to sell everything they had. Ceux qui voulaient obtenir ces trésors, ils devaient vendre tout ce qu'ils avaient. It costs everything. Ça vous coûte toutes choses. It might cost you your family. Ça peut vous coûter votre famille. It might cost you your position in life. Ça peut vous coûter votre position dans la vie. It might cost you your job. Ça peut vous coûter votre travail. It's not cheap. Ce n'est pas à bon marché. And yet it is for nothing. Mais pourtant, ça ne vous coûte rien. Elle est gratuite. And once you have obtained the greatest treasure that there is in the world, et quand vous avez accès au plus grand trésor qui existe dans le monde, then you shouldn't sell it. Alors vous ne devriez pas le vendre. In Hebrews chapter 10 verse 38 we read. Hébreux chapitre 10 verset 38 nous lisons. Now the just shall live by faith. Et mon juste vivra par la foi. But if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. There are some people who accept this beautiful truth of salvation. Il y a quelques-uns qui acceptent ces merveilleuses vérités du salut. And then the storms of life come. Et après les orages, les tempêtes de la vie arrivent. Maybe the seed fell on the wayside and there is no root. Et peut-être la semence est tombée au long du chemin et il n'y a pas de racine. And the birds come and they pick it up. Et les oiseaux arrivent et mangent cette semence. Maybe the cares of this life start choking you. Peut-être c'est les soucis de cette vie qui commencent à étouffer la personne. And you give up and go back to your original life. Et alors la personne renonce et elle retourne à sa vie d'auparavant. Well, the same can happen to a whole institution. Mais la même chose peut se passer à toute une organisation. Here I am in England. Je me trouve ici en Angleterre. And I'm standing outside St. Paul's Cathedral. Et je suis ici devant la cathédrale de Saint-Paul à Londres. And many thoughts go through one's mind when one stands there. Il y a beaucoup de pensées qui me passent par l'esprit quand vous êtes là. This is what St. Paul's looks like today. Et voilà comme la cathédrale de Saint-Paul se voit aujourd'hui. It has been completely remodeled and rebuilt. Elle a été complètement remodelée et reconstruite. It is now a mini replica of St. Peter's in Rome. Elle est maintenant une mini modèle réplica de Saint-Pierre à Rome. It has become an image of what there is in Rome. Elle est devenue donc une image de ce qui existe à Rome. And one would never think that Protestantism would image Rome from which it separated. Et on penserait jamais que le protestantisme deviendrait une petite image de Rome, de la Rome même de laquelle ils s'étaient séparés. But such are the times in which we live. Mais voilà les temps dans lesquels nous vivons. In 1887, Grattan Guinness wrote. En 1887, l'auteur Grattan Guinness avait écrit. In his famous work, Romanism and the Reformation. Dans son œuvre fameuse, le romanisme et la réforme. He says 50 years ago. Il dit qu'il y avait 50 ans. So that's almost 170 years ago. Et de nos jours, c'est presque 170 années. The eminent statesman Sir Robert Peel said with remarkably clear foresight. Le éminent homme d'État Sir Robert Peel avait dit avec une précision remarquablement claire. The day is not distant and it may be very near. Le jour n'est pas distant, n'est pas éloigné et peut-être il est très proche. When we shall have to fight the battle of the Reformation over again. Où nous devrons combattre la bataille de la réforme protestante encore une fois. That was 170 years ago. Et ce fut il y a 170 ans. And then Grattan Guinness adds. Et après ajoute l'auteur Grattan Guinness. And this was written 120 years ago. Ce qui fut écrit il y a 120 ans. The day has come. Ce jour est arrivé. I wonder what he would say today. Mais je me demande bien ce qu'il dirait aujourd'hui. 120 years later. 120 ans après. It says we've had more than 3 centuries of emancipation from the yoke of Rome. Il dit que nous avons eu plus de 300 siècles d'émancipation du joug de l'esclavage de Rome. 300 years of Bible light and liberty.
300 années de lumière de la Bible et de liberté. Make that over 400 by now. De nos jours, c'est 400 ans déjà. And he said it had made us overconfident. Et il dit que tout ça nous a fait trop confiants de nous-mêmes. And led us to underestimate the power and influence of this deadliest foe. Et il nous a amené à sous-estimer le pouvoir et l'influence de cet ennemi mortel. Not only of the gospel of God, but also of England. Cet ennemi, pas seulement de l'évangile de Dieu, mais aussi de l'Angleterre. And then he continues to say that England had this distinction that it was the mega power of Protestantism. Et il continue à dire que l'Angleterre avait cette distinction d'être ce incroyable pouvoir du protestantisme. But these truths have been lightly esteemed of late. Mais ces vérités de ces jours étaient prises à la légère. He says our fathers won this distinction through years of sore struggle and strife. Il dit que nos pères ont gagné cette distinction à travers des années de grands sacrifices et de guerres. They purchased it with their best blood. Ils ont acheté cette liberté avec leur meilleur sang. And they prized it as something that is precious. Et ils donnaient à cette vérité une valeur comme quelque chose de précieux. And then he says, but we have become latitudinarian. We just lie down today. Mais il dit, mais nous sommes devenus latitudinaires, nous nous sommes couchés. There's this notion that we have nothing to fear. There will be no revival of this deadly upastry. Il dit, cette notion que nous n'avons rien à craindre, qu'il n'y aura pas de renouveau de cet ennemi, de cet arbre empoisonné. Because, you know, it has been destroyed by Protestantism. Car elle a été détruite par le protestantisme. And this true knowledge had forever dispelled the dark fogs of superstition. Et cette vraie connaissance, elle a pour toujours chassé cette forme obscure de superstition. So these medieval tyrannies cloaked under the cloak of religion, they will never come back. Alors ces tyrannies médiévales déguisées sous le voile de la religion, elles ne retourneront jamais. We might despise the follies of Rome. Nous pouvons bien mépriser les folies de Rome, il dit. But dread them, nah. Mais avoir peur d'elle, non. She was too far gone. She was too feeble. She won't come back. Elle est tombée trop en bas. Elle est trop faible. Elle ne retournera jamais. That's what they believe. C'est à ça qu'ils croyaient. And then he says, our reformed faith is thus endangered both from without and from within. Et maintenant, il dit que notre foi réformée est en danger, soit de dedans que au dehors. And it can be defended only by a resolute return to the true witness borne by saints and martyrs of other days. Et elle peut être défendue seulement par un retour résolu, déterminé au vrai témoignage porté par les saints et les martyrs d'auparavant. We must learn afresh from divine prophecy. Alors il faut apprendre à nouveau de la prophétie divine. God's estimate of the character of the Church of Rome. Et donner l'évaluation de Dieu au caractère de l'Église de Rome. If we would be moved afresh to be witnesses for Christ as against this great apostasy. Si nous voulons être renouvelés dans notre témoignage pour le Christ dans cette grande apostasie. Powerful words. Des mots puissants. Written more than 120 years ago. Écrit il y a plus de 120 ans. And if he had lived today, I wonder what he would have said. Et s'il aurait vécu de nos jours, je me demande ce qu'il aurait dit. If we go to the Bible, 2 Peter 2 verse 20. Et si nous considérons la Bible, 2 Pierre 2 20. It talks about people who accept salvation in Christ. Il parle des personnes qui acceptent le salut en Christ. And then turn their backs on it and go back to where they were. Et après ils font un pas en arrière, ils tournent leur dos et ils retournent à où ils étaient auparavant. If after they have escaped the pollution of the world through the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde du Seigneur et Sauveur Jésus Christ. They are again entangled then and overcome. The latter end is worse with them than the beginning. Ils s'engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première. So you're worse off if you turn your back on Christianity than you were in the beginning. Alors vous êtes dans une condition pire si vous tournez le dos au christianisme de la position que vous aviez au commencement.
Peter says it would have been better for them not to have known the way of righteousness. Et Pierre continue verset 21, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice. Then after they have known him to turn from the holy commandment delivered unto them. Que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. And then he mournfully adds. Et après il ajoute ces mots très tristes. But it happened unto them according to the true proverb. Verset 22, il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. The dog is turned to his own vomit again, and the sow that was washed to her wallowing in the mire. Le chien est tourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. It is a sad day when we give up truth purchased at great cost. C'est un jour triste quand nous renonçons la vérité qui avait été achetée avec un grand prix. So who were these saints and martyrs of yesteryear that could teach us afresh what this meant? Mais alors, qui étaient-ils ces saints et ces martyrs des années passées qui pourraient nous enseigner à nouveau ce que toutes ces choses signifiaient? If I had an average audience anywhere in the world, even in England, si j'avais un public typique normal, n'importe où dans le monde, même en Angleterre, and I threw the names Cranmer, Ridley, Latimer into the audience, et je citais les noms de Cranmer, Ridley et Latimer au public, most people wouldn't even know what I'm talking about. La majorité des personnes ne sauraient même pas de quoi je parle. These three were the so-called Oxford martyrs. Ces trois personnes étaient ceux qui sont appelés les martyrs de Oxford. Now if you go to Oxford, alors, si vous visitez l'université de Oxford, that's their famous university town. C'est donc leur ville fameuse de l'université. And Oxford University was a church university. It was a Roman Catholic theological school. Et l'université de Oxford était une université d'église, était une école théologique catholique romaine. Then you will find a monument there. Et vous trouverez un monument là-bas. Here it is. Le voilà. And three people are upon it, namely Thomas Cranmer. He was the Archbishop of Canterbury. Et il y a trois personnes là-bas, c'est-à-dire Thomas Cranmer, qui était l'archevêque de Canterbury. Cranmer was still a Roman Catholic Archbishop and was appointed by the Pope himself. Et Cranmer était un archevêque catholique romain qui avait été nommé par le pape même. But he became a Protestant. Mais il devint un protestant. Then there's Nicholas Ridley, he was the Bishop of London. Et après vous trouvez Nicholas Ridley qui était l'archevêque de Londres. And then there was Hugh Latimer, he was the Bishop of Worcester. Et après vous trouvez Hugh Latimer qui était l'évêque de Worcester. So this was the leading elite of the church in England. C'était donc l'élite principale de l'église en Angleterre. And here are their statues. Et voilà donc leurs statues. You see, they are all bearded men. Et vous pouvez voir que c'est des hommes avec une barbe. So they weren't exactly young. Ils n'étaient pas exactement des jeunes. In fact, they were in their 70s. Et en fait, ils étaient dans leurs 70 ans. And history tells an interesting story as to what happened to them. Et l'histoire nous raconte des faits intéressants sur ce qui est leur passé. Henry VIII broke with Rome. Le roi Henri le 8e avait rompu avec Rome. But not really for religious reasons. Mais ce n'était pas pour des raisons religieuses. He broke because the Pope didn't grant him a divorce. Il avait rompu car le pape ne lui avait pas donné un divorce. But this very event helped the Protestant movement to escape the attention of the British when the Rome was persecuting. Mais ce événement avait aidé donc le mouvement protestant à échapper l'attention des forces anglaises quand Rome persécutait ce mouvement. So the Protestants became stronger. Et alors le mouvement protestant a pu devenir plus fort. And after the death of Henry, et après la mort de Henri, the Protestant leaders wanted to have the Protestants to be the heirs to the throne. Les leaders protestants voulaient avoir des protestants comme héritiers du trône royal. So Cranmer and Latimer, alors Cranmer et Latimer, who also took part in these Oxford disputations, qui avaient participé aussi aux disputes de Oxford. They were in favor of a Protestant lineage. Ils favorisaient donc une lignée royale protestante.
And Ridley came out in support of Lady Jane Grey's claim to the crown. Et Ridley avait aussi appuyé la revendication de Lady Jane Grey à la couronne anglaise. And she was then crowned as queen. Et en fait, elle fut couronnée comme reine. But ruled only a few days. Mais elle gouverna juste quelques jours. And then she was executed. Et après, elle fut exécutée. They put her to death. Et alors, ils l'ont tuée. Namely, this lady. Et cette dame. Queen Mary the First. La reine Marie la Première. She claimed the throne. Elle revendiquait aussi le trône. And she, of course, was of Catholic lineage. Et elle était naturellement de lignée catholique. And when she ascended the throne after executing Lady Jane Grey, et après avoir pris le trône, après avoir exécuté Lady Jane Grey, she started a reign of terror and blood. Elle commença un règne de terreur et de sang. And to this day, she is known as Bloody Mary. Et jusqu'à nos jours, elle est connue comme Marie la Sanglante. They even name a drink after her. Et ils ont même nommé une boisson après elle. Where you mix vodka and tomato juice. Où vous mélangez du vodka et du jus de tomate. To remind you of the blood that was shed. Pour vous faire rappeler du sang qui fut versé. Her first task was to suppress the Protestant Reformation. Alors, sa première tâche était de supprimer la réforme protestante. And so she had these three prelates arrested. Et alors, elle a fait arrêter ces trois prélats. If we want to know something about the character of these people, alors, si vous voulez savoir quelque chose sur le caractère de ces personnes, then history tells us quite a little bit. Alors, l'histoire nous dit beaucoup de choses. In the great controversy, we read about Latimer. Dans le livre La tragédie des siècles, page 266 en français, nous lisons sur Latimer. And Latimer had this sermon once. Et Latimer avait prêché ce sermon une fois. He asked, "Do you know who is the most diligent bishop in England?" Et il avait posé la question, savez-vous quel est le plus zélé de tous les prélats de l'Angleterre? I see you listening. Let me tell you who it is. Je vois que vous attendez et que je vous le nomme. It is the devil. C'est le diable. He's never out of his diocese. Cet évêque-là, je vous assure, n'est jamais absent de son diocèse. You shall never find him idle. Vous ne le trouverez jamais sans rien faire. Call for him when you will. He's ever at home. Et à quelque heure que vous vous approchiez de lui, vous le trouverez à l'œuvre. He's ever at the plow. Il travaille toujours. You shall never find him remiss. Vous ne le trouverez jamais négligent. I warrant you, I promise you. Je vous le garantis, je vous le promets. Where the devil is resident. Partout où il réside. And now you can start understanding his mindset. Et alors maintenant vous pouvez commencer à entendre la façon de penser. They're away with books. Les mots d'ordre sont à bas les livres. And up with candles. Et vive les bougies. Away with Bibles. À bas les Bibles. Up with beads. Et vive les chapelets. Away with the light of the gospel. À bas la lumière de l'évangile. Up with the light of the wax tapers. Et vive la lumière des cierges. Yea, at noonday, down with Christ's cross. Fût-ce en plein midi, à bas la croix de Jésus-Christ. Up with the purgatory pick purse. Et vive le purgatoire qui vide les poches des dévots. Away with clothing the naked, the poor, the impotent. À bas les vêtements donnés aux pauvres et aux impotents. Up with the decking of images and the gay garnishing of stones and stocks. Et vive les ornements d'or et des pierres précieuses prodigués à des morceaux de bois et de pierre. Down with God's word. À bas les traditions de Dieu, c'est-à-dire la très sainte parole. Up with traditions and human councils. Et vive les traditions et les lois humaines. And a blinded pope. Et un pape aveuglé. Oh, that our prelates would be as diligent to sow the corn of good doctrine as Satan is to sow the cockle and the dog. Oh, si seulement nos prélats voulaient s'employer aussi activement à jeter la bonne semence de la sainte doctrine, de même que Satan le est à semer la nielle et l'ivraie. He was a Protestant to the core. Il était un protestant au 100%, cet homme. He understood the difference between Protestantism and Catholicism. Il avait bien compris la différence entre le protestantisme et le catholicisme. That is why Queen Mary had him arrested immediately. C'est pour ça que la reine Marie le fit arrêter immédiatement. And on October 16, 1555,
Et le 16 octobre 1555, Ridley and Latimer were led to their martyrdom. Ridley et Latimer furent conduits à leur endroit de martyr. They would have also martyred Cranmer. Ils auraient aussi martyrisé Cranmer. But since he had been appointed by the Pope himself, mais comme il avait été nommé par le pape même, they first had to get permission from the Pope. Il devait recevoir avant tout le permis du pape. And so he waited. Et alors il dut attendre. You see, in those days, they couldn't send the pope an email or a fax. Voyez-vous, de ces jours, ils ne pouvaient pas envoyer au pape un email ou un fax. And it took some time to get the message to him. Et alors, pour lui faire arriver le message, ça a pris beaucoup de temps. Well, history tells us what this was like. Mais l'histoire nous raconte comment les choses se sont passées. Ridley came fully robed like a bishop. Ridley arriva vêtu complètement comme un évêque. Latimer had a simple frock on. Latimer portait juste un simple froc. The 70-year-old Latimer followed feebly behind Ridley. Et Latimer, âgé de 70 ans et plus, suivait faiblement derrière Ridley. Well, I'll just summarize it for you. Alors, je vais juste vous donner un résumé de cette citation. But when he came to the stake, mais quand il arriva au bûcher, he stood bolt upright. Alors là, Latimer se tient debout avec le corps bien droit. And then they tied them to the stake. Et alors, ils les ont liés au bûcher. And they put the faggots around them. Et alors, ils ont placé le bois autour du bûcher. But there was no wind. Mais il n'y avait pas de vent. And maybe the faggots were not quite dry. Ou peut-être les bois n'étaient pas séchés, très bien séchés. And Ridley's brother had still tied a bag of gunpowder to both their necks. Et le frère de Ridley avait lié un sac de poudre à canon autour de leur cou. So when the flames should come up, it should explode and they should die. Et ils s'attendaient que quand les flammes commencent à brûler, que ce sac de poudre exploserait et ils mourraient. And then Latimer said the famous words to Ridley. Et après Latimer parla les paroles fameuses à Ridley. He said, "Be of good comfort, Master Ridley." Soyez de bon courage, maître Ridley. And play the man. Et montrons courage. We shall this day light such a candle by God's grace in England as I trust shall never be put out. Nous allumerons ce jour une lumière par la grâce de Dieu en Angleterre et j'ai la confiance qu'elle ne sera jamais éteinte. Today I'm afraid that candle is dead. Mais je crains de dire qu'aujourd'hui, de nos jours, cette lumière est morte. And I believe we need lectures like these to light that candle again. Et je crois que nous avons besoin de conférences comme celle-ci pour allumer cette lumière encore une fois. That these people should not have died in vain. Pour que ces personnes ne soient pas mortes pour rien. Here's the famous relief of the martyrdom of Ridley and Latimer. Voilà ici le fameux bas-relief du martyr de Ridley et Latimer. And when they burnt those faggots, et quand ils ont fait brûler ces bois, the flames did not immediately arise, les flammes ne sont pas montées de façon immédiate, except on Latimer's side, which was on the wind side. Seulement de la part de Latimer, elles ont commencé à monter et il était de la partie où le vent soufflait. And Latimer quickly died. Et alors Latimer est mort rapidement. But poor old Ridley stood there and the flames were just smoldering. Mais le pauvre Ridley, il était là et les flammes ne augmentaient pas. And he was still alive when his whole bottom body had been charcoaled already. Et il était encore en vie et tout son corps avait été totalement grillé, noir. His death was a terrific suffering. Et alors sa mort fut une souffrance horrible. Eventually somebody realized what was happening and took some of the faggots off so that the air could come in. Et alors finalement quelqu'un s'est rendu compte de ce qui se passait et ils ont enlevé un peu de bois pour permettre que l'air rentrât. And then his gunpowder exploded and he died. Et alors son sac à poudre à canon, il explosa et après il mourut. Now this historic source explained what happened to Cranmer. Et cette citation historique nous dit ce qui se passait avec Cranmer. He had to wait 6 months for the Pope's assent. Il a dû attendre 6 mois pour recevoir la réponse du pape. But while his two friends and colleagues were dying, mais
quand ses deux amis et collègues mouraient, they had put Cranmer on a wall and they made him watch the death of his two friends. Ils ont porté Cranmer sur un mur et ils l'ont fait regarder la mort de ses deux amis. And watching the horrible death of his friends. Et quand il regardait la mort horrible de ses amis, especially the suffering of Ridley, et spécialement la souffrance de Ridley, he fainted three times. Cranmer s'est évanoui trois fois. But they woke him up and he had to look. Mais ils l'ont réveillé, ils l'ont forcé à regarder. And then they took him away and they put him in a dungeon. Et après ils l'ont amené et ils l'ont mis dans un cachot. Where he waited for half a year for permission from the Pope to have him consumed the same way. Où il a dû attendre pour six mois pour recevoir le permis du pape pour le faire exécuter de la même façon. But they didn't leave him alone. Mais ils ne l'ont pas laissé seul. They worked on him. Ils ont travaillé avec lui. And the man cracked. Et le pauvre a cédé à la pression. And eventually he recanted. Et finalement, il a rétracté. His Protestant position. Il a rétracté sa position protestante. In fact, history says he was induced more than once to give his enemy an opportunity to say that he, the leader of Protestant England, had recanted. Et en fait, l'histoire nous dit qu'il fut harcelé plus d'une fois pour donner à ses ennemis l'opportunité de dire que lui, le leader des protestants en Angleterre, avait rétracté. But the old man stood back up again towards the end. Mais l'ancien homme retrouva sa force à la fin de sa vie. And when they brought him to the stake finally, et quand ils l'ont amené au bûcher à la fin, this is what he said. Voilà les mots qu'il dit. For as much as my hand offended writing contrary to my heart, quand ma main m'a offensé en écrivant ce qui est contraire à mon cœur, my hand shall first be punished, therefore. Ma main sera la première partie de mon corps à recevoir la punition. For may I come to the fire, it shall first be burned. Car quand j'arrive au feu, elle sera la première à être brûlée. And then, in 1556, on the 21st of March, après le 21 de mars 1556, exactly the same spot where his friends were martyred, exactement au même endroit où ses amis avaient été martyrisés, he was burnt at the stake. Il fut brûlé au bûcher. And history says he put his hand and his fingers that held the pen of recantation into the fire. Et l'histoire nous dit qu'il a mis sa main, ses doigts, et il a maintenu cette position dans le feu jusqu'à que sa main est tombée. And he held them there. Et il a maintenu cette position until they dropped off. Jusqu'à ce que la main tomba. I wonder whether people today would have such resolve. Et je me demande si les gens aujourd'hui auraient le même courage. This comes from the story of Protestantism. Cette narrative nous arrive de l'histoire du protestantisme. This is the spot where it happened. Et voilà l'endroit où les choses se sont passées. Today there are buildings there. Aujourd'hui, il y a des constructions ici autour de cet endroit. And against this building there, there's a tiny little plaque. Et il y a une petite plaque dans ce bâtiment. And the students walk by. Il y a les étudiants qui marchent par là. And you can hardly read what it says unless you get real close. Et vous ne pouvez même pas presque lire ce que la plaque dit, au moins que vous approchiez. And there it is. Et là voilà. Opposite this point. Et de l'autre côté de ce point-là. Latimer, Ridley and Cranmer were martyred. Latimer, Ridley and Cranmer furent martyrisés. And then the dates are there. Et les dates de leur martyre. And there it is, this cross on the ground. Et voilà cette croix sur la rue. And the students walk by and they walk over it. Et les étudiants, ils marchent par là et ils passent par-dessus. And the bicycles come by and they go over the cross. Et les bicyclettes passent par là et elles font touk 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 sur la croix. And I think they are totally unaware of that cross's significance. Et je crois qu'ils ne sont absolument pas conscients du signifié de cette croix. They probably think it's a bother. Probablement ils pensent que c'est une nuisance. A little bit more about this history. It gets very interesting. Mais quelque chose de plus sur cette histoire. Elle est très intéressante. Now Cranmer became a Protestant. Alors Cranmer était devenu un protestant. And in 1539. Et dans l'année 1539. He asked King Henry whether he could put a Bible in every church. Il avait demandé le permis au roi Henri pour placer une Bible dans chaque église. And this he then did. Et ce qu'il a aussi fait. And they published what was known as the Great Bible.
Et ils ont publié ce qui était appelé la Grande Bible. It was a huge Bible. Elle était une Bible énorme. And then they chained it to every pulpit in every single church in England. Et ils ont enchaîné donc cette Bible à chaque pupitre dans chaque église en Angleterre. Now the people couldn't read then. Alors les personnes de ces jours ne pouvaient pas lire. And so besides the Bible, he placed a reader in every single church. Et alors à côté de la Bible, il plaça une personne qui lisait dans chaque église. So that when the poor people came into the church, alors quand les pauvres arrivaient à l'église, the reader could read to them from the Bible. Le lecteur était là et il pouvait lire de la Bible. This is just like the restoration of God's people in the time of Ezra. Ça me fait rappeler à la restauration du peuple de Dieu au temps de Esdras dans la Bible. The word of God was read to the people to educate them again as to God's principles. La parole de Dieu était lue au peuple pour les éduquer encore une fois sur les principes de Dieu. So this was the type of man he was. Voilà donc le type de personne qu'il était. He was thrilled with the Bible truth. Il était ravi avec la vérité biblique. Now the church in Oxford where the trials took place. Alors l'église à Oxford où le procès pour le tuer eut lieu. Was this church over here on the right? C'est cette église ici à la droite, à droite. And it was known as St. Mary's. Elle était connue comme l'église de Saint-Marie. Now when Cranmer was brought to St. Mary's. Alors quand Cranmer fut amené à l'église de Saint-Marie. Because after all he had recanted. Car après tout, il avait rétracté. The Catholics took him and they dragged him to the church. Alors les catholiques l'amenèrent à cette église. And they wanted him to tell his entire congregation that he had recanted. Et il voulait qu'il raconte à toute la congrégation qu'il avait rétracté. This is the cathedral today. Et voilà donc la cathédrale aujourd'hui. It became very important. Elle est devenue aussi très importante. There's some interesting pictures on the walls. Et vous voyez des photos intéressantes sur les murs. This one here is of Newman. Celle-ci est de Newman. This one here is of Wesley. Celle-ci elle est de Wesley. But in any case, here he came into this church. Et alors il rentra dans cette église, Cranmer. But they didn't want him to go into the pulpit. Mais ils ne voulaient pas qu'il passe, qu'il parle du pupitre. Oh, that was too elevated a position. C'était une position trop élevée. But he was not a very tall man. Mais il n'était pas un homme très haut. So they wanted to just lift him a little bit. Et alors ils voulaient le faire monter jusqu'un petit peu. And so what they did is they chopped a piece out of a pillar. Et alors ce qu'ils ont fait, ils ont enlevé une pièce d'un pilier. Put a little plank there. Et ils ont mis une petite planche. And a chair on the other side. Et une chaise de l'autre côté. And said to him, "Now you tell the congregation that you have recanted." Et il lui a dit, ben maintenant tu dis, tu racontes à la congrégation que tu as rétracté. And then he made his famous speech. Et après, il a donné son discours fameux. So they were twice tried for heresy in St. Mary's Church. Alors ils furent jugés deux fois pour hérésie dans l'église de Saint-Marie. And then they, when they brought him to the church, to St. Mary's, this pillar had been cut away. This is the plaque in the church. I'm reading it to you. Et quand ils l'ont amené à l'église, à Saint-Marie, ce pilier avait été donc coupé un petit peu et je vous lis de cette plaque dans l'église. To allow the building of a low platform from which he was to make his submission. Pour construire donc cette basse plateforme sur laquelle il devait donc raconter de sa soumission. But when the old man saw his people and his congregation, mais quand le vieillard a vu son peuple et sa congrégation, something happened to him. Quelque chose s'est passé avec lui. That old fire came back. Ce feu ancien est retourné. And at the last second he withdrew his recontact. Et à la dernière seconde, il a retiré sa rétraction. There's the place that they chopped out of the pillar. Et voilà donc l'endroit où ils ont creusé donc de ce pilier. So, you know, history is really fascinating. Et savez-vous donc l'histoire, elle est très fascinante. You walk into a church and you see a pillar that's been modified and you wonder what's going on here. Alors vous rentrez dans une église et vous voyez un pilier qui a été modifié et vous vous posez la question, mais qu'est-ce qui se passe ici? But here was history that the world has forgotten. Mais voilà ici de l'histoire que le monde a oublié. But I think God wants to remind us. Mais je crois que Dieu veut nous faire rappeler de ça. And this was his speech. Et voilà donc son discours, le discours de Cranmer. For as much as I come to the last end of my life, comme je suis arrivé à la fin de ma vie,
Whereupon all hangeth of my life past and my life to come. Et en ce moment, je me trouve devant ma vie passée et ma vie future. Either to live with my master Christ forever in joy. Et soit que je vis avec mon maître Christ pour toujours dans la joie. Or else to be in pain forever with the wicked devils in hell. Ou bien d'être dans la douleur pour toujours avec les démons méchants dans l'enfer. See, these poor Protestants, they didn't have all the Bible light, but this is what he believed. Et voyez-vous, ces pauvres protestants, ils n'avaient pas toute la lumière biblique, mais c'est ce qu'ils croyaient. And I see before mine eyes presently either heaven ready to receive me or hell ready to swallow me up. Et je vois devant mes yeux ou bien les cieux qui sont prêts pour me recevoir ou bien l'enfer qui est prêt pour m'engloutir. I shall therefore declare unto you my very faith, how I believe. Et je vais donc vous déclarer ma foi vraie, ce que je crois. Without any color of dissimulation. Sans aucune forme de dissimulation. For now is no time to dissemble whatever I have said or written in time past. Pourquoi ce n'est pas le temps maintenant de dissimuler ce que j'ai dit ou écrit dans les temps passés? And then he was assured before he went in there, et il lui avait assuré avant de rentrer à cet endroit that the queen would reinstate him if he just kept to his recantation, que la reine l'aurait rétabli s'il se maintenait fidèle à sa rétraction. They said to him, Her Majesty will have a Cranmer, a Catholic, or she will have no Cranmer at all. Il lui avait dit, Sa Majesté aura un Cranmer comme catholique, ou bien elle aura aucun Cranmer. But then he said the famous word. Et après, il dit ces mots fameux. And as for the Pope, et en ce qui concerne le pape, I refuse him as Christ's enemy. Je le refuse comme l'ennemi de Christ. And Antichrist with all his false doctrine. Et comme l'Antéchrist avec toute sa fausse doctrine. And that was his death knell. Et voilà, cette phrase fit sonner le glas de lui. Before he said that, he said, and now I come to the great thing that so much troubleth my conscience. Et avant de dire ces mots, il dit, et maintenant j'arrive à la grande chose qui trouble fortement ma conscience. More than anything I ever did or said in my whole life. De tout ce que j'ai fait ou dit dans toute ma vie. And then he says, that I set abroad, that I put into other people's hands, my recantation. Après, il dit que j'ai dit publiquement et que j'ai mis dans les mains des autres personnes ma rétraction. But I now renounce and refuse them. Mais maintenant, je renonce à ça et je réfute cette rétraction. As things written by with my hand, contrary to the truth which I thought in my heart. Des choses écrites avec ma main contraires à la vérité que je pensais dans mon cœur. And which were written for fear of death. Choses qui furent écrites à cause de la peur de la mort. And to save my life, if it might be. Pour sauver ma vie, si c'était possible. So he withdrew everything that he had said. Et alors il retira tout ce qu'il avait dit. But when he refused the papacy and declared it antichrist. Et quand il rejeta la papauté et il la déclara l'antéchrist. That's when they tore him off his platform and marched him to the stake. Alors ils l'ont fait descendre de sa planche et ils l'ont fait marcher à sa fin. And he walked all the way smiling. Et il a marché juste avec un sourire. So history tells us he was pulled down from the stage, led to the fire. Alors l'histoire nous dit qu'on le fit descendre de la planche et ils le conduisirent au feu. They put an iron chain, tied it around him. Et ils mirent une chaîne autour de lui. And then he put his fingers in the fire. Et après, il plaça ses doigts dans le feu. And he was heard to say, "This hand is offended, oh, this unworthy right hand." Et les gens l'entendirent dire, cette main qui a offensé, cette main qui n'est pas digne. And then he was heard to say, in the greatness of the flames, "Lord Jesus, receive my spirit." Et après, on l'entendit dire au milieu des flammes, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. These people had courage. Ces personnes avaient du courage. They died for a cause. Et ils sont morts pour une cause.